Bonjour les enfants, je vous propose maintenant la correction de la fiche calcul numéro 3 où il s'agissait de travailler l'addition posée. Dans le premier exercice, les calculs étaient écrits en ligne et ensuite ils étaient posés. Donc c'est parti pour le premier calcul, 17 plus 32. Je m'occupe d'abord de la colonne des unités, 7 plus 2 égale 9. Je mets le résultat, 9 unités. Je calcule maintenant mes dizaines. 1 plus 3 ou 3 plus 1 égale 4. J'écris mon résultat. Donc, 17 plus 32 égale 49. Je peux inscrire ici le résultat. Deuxième calcul, 35 plus 21. Je m'occupe d'abord de la colonne des unités. 5 plus 1 égale 6. Les dizaines maintenant. 3 plus 2 égale 5. 35 plus 21 égale 56. 53 plus 12. Colonne des unités. 3 plus 2, 5. Les dizaines maintenant, 5 plus 1 égale 6. 53 plus 12 égale 65. 42 plus 46, on commence par les unités. 6 plus 2 égale 8. Et vous voyez que je commence par le plus grand. 6 plus 2 égale 8. 4 plus 4, c'est le double de 4 égale 8. 42 plus 46 égale 88. Voilà. Deuxième exercice. Ici, vous aviez les additions qui étaient posées en ligne. Il fallait correctement les poser vous en colonne. Donc, rappelez-vous de la leçon que j'avais mise en vidéo. Comment poser une addition et une soustraction en colonne. On va le faire ensemble. 71 plus 12. Je commence par 71. Dans 71, il y a 7 dizaines. Une unité. Je dois retrouver le nombre 71. 71 plus 12. Dans 12, il y a une dizaine, deux unités. Je vérifie. 71 plus 12. C'est parti. Les unités. 2 plus 1 égale 3. Les dizaines. 7 plus 1 égale 8. 71 plus 12 égale 83. 32 plus 24. 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. 32 plus 24. 2 dizaines, 4 unités. 32 plus 24. Les unités, 4 plus 2, 6. Les dizaines, 3 plus 2, 5. 32 plus 24, 56. On y va. 52 plus 15. 52, 5 dizaines, 2 unités, 52 plus 15, 1 dizaine, 5 unités. Je compte mes unités, 5 plus 2, 7, les dizaines, 5 plus 1, 6. 52 plus 15 égale 67. 48 plus 31. 48, 4 dizaines. 8 unités, je retrouve mon nombre 48, plus 31. 3 dizaines, 1 unité. Mes unités, 8 plus 1 égale 9. Les dizaines, 4 plus 3 égale 7. 48 plus 31 égale 79. Alors, dans le troisième exercice, c'était des calculs de trois termes. Alors qu'il s'agisse des calculs de deux termes, de deux nombres ou de trois nombres, la technique ça reste la même les enfants. Donc pour les deux premiers, on vous les a posés. On va voir ça. 21. 21, deux dizaines unités, plus 12. 12, on le retrouve bien. Une dizaine, deux unités, plus 33. 3 dizaines, 3 unités. 21 plus 12 plus 33. 21 plus 12 plus 33. Je commence avec mes unités. 3
plus 2 égale 5, plus 1 égale 6. Je continue avec mes dizaines. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. 21 plus 12 plus 33 égale 66. On continue. 42 plus 13 plus 4. 42, on le retrouve. 4 dizaines, 2 unités, plus 13. 1 dizaine, 3 unités, plus 13, plus 4. 4, eh bien, ce sont 4 unités. On va donc placer le 4 dans la colonne des unités. Et il n'y aura pas de dizaine ici. Donc, on laisse l'espace blanc. On calcule nos unités. 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9. Je compte maintenant mes dizaines. 4 plus 1 égale 5. Donc, 42 plus 13 plus 4 égale 59. Maintenant, c'est à mon tour de poser l'addition. 42. 42, 4 dizaines, 2 unités, plus 12. 1 dizaine, 2 unités, plus 23. 2 dizaines, 3 unités. Je vérifie. 42 plus 12 plus 23. Très bien. Je compte mes unités. Alors, je peux commencer par le double ici. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Je continue avec les dizaines. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7. 42 plus 12 plus 23 égale 77. Le dernier calcul, 51 plus 32 plus 4. 51, c'est 5 dizaines, une unité, plus 32, 3 dizaines, 2 unités, plus 4, 4 unités. Je compte mes unités. 4, plus 2, 5, 6, plus 1, 7. Mes dizaines maintenant. 5 plus 3 égale 8. Pardon, j'ai du mal à la fois tenir le téléphone et à écrire le nombre. Alors, 51 plus 32 plus 4 égale 87. Voilà les enfants. Je vous laisse regarder la correction. Réécoutez la correction et à bientôt.